Allez, non. Oui, bonjour. Ma question concerne tous les résidents de Trois-Rivières. Hier, j'ai consulté le site du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, le MERN, et il y a une carte interactive qui est sur le site du CGA. Et là, on voit les différents claims miniers, les activités minières sur le territoire. Et quand on zoome sur la ville de Trois-Rivières, on voit que la majeure partie de la ville de Trois-Rivières est sous contrainte majeure. C'est-à-dire que les minières ne peuvent pas accéder à la majeure partie du territoire de la ville de Trois-Rivières. Sur le même site, je vais sur le site SIGPEC, ce qui concerne les activités pétrolières et gazières. Et là, c'est le contraire. La majeure partie de la ville de Trois-Rivières est sous permis d'exploration, c'est-à-dire qu'il pourrait y arriver un forage demain matin. Donc, ma question, est-ce que les activités gazières et pétrolières, avec la fracturation hydraulique qui pourrait miner les sous-sols et les nappes phréatiques, sans compter le climat, représenterait pour la ville de Trois-Rivières un risque moins grand que les activités minières? Et je m'adresse vraiment à la ville, parce que quand vous allez me dire, c'est encore les autres ordres de gouvernement, mais quand les contraintes ou les zones incompatibles d'usage, c'est quand même la MRC et les villes qui s'en occupent, c'est pas les gouvernements supérieurs. C'est probablement les minières, je suis convaincu que ce n'est pas les villes qui ont légiféré là-dessus. Alors, je suis convaincu que c'est le gouvernement provincial qui a légiféré là-dessus ou le fédéral. Non? Je suis convaincu. Vous êtes d'accord là-dessus? Non. Qui est légiféré? Ben, je veux dire que les villes. Non, c'est les villes qui ont réglementé ça. Non, pas qui ont réglementé, mais qui ont élaboré les zones. Non, vous dites, c'est pas permis. Alors, c'est des villes qui ont légiféré l'interdiction de faire la recherche minière. C'est la réforme de Wallet, la récente loi des villes. C'est pas des villes qui ont fait ça. On est une créature. Ne me comprenez pas, une créature. Donc, vous n'intervenez jamais quand vous demandez. Vous savez, quand on fait de plan d'urbanisme, là, on ne veut même pas décider. On décide. Mais eux autres, on suggère et eux autres décident. Notre développement, là, on a adopté un nouveau plan d'aménagement, le choix d'aménagement. Là. Alors nous, nos experts disent ça va être comme ça, le gouvernement nous dit non, finalement, non. Ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors quand on dit qu'on est une créature du gouvernement du Québec, même si c'est un pari parlementaire, on est une créature. On relève du gouvernement du Québec. Je suis d'accord avec vous. Bon. Est-ce que vous voulez rester une créature? Ben, regardez-le. Alors, on le décrit régulièrement. On le dit régulièrement. On le dit régulièrement. C'est sûr que des choses qui sont provinciales. On va pas commencer à, dans ma cour, à moi, dans ma ville, du Nord, beaucoup. Alors, il y a des juridictions fédérales, il y a des juridictions provinciales. C'est tout à fait normal. Hein? Par exemple, si nous portons la santé, on avait nos dadas, nous autres, le dada. Alors, on essaie d'avoir des règlements qui sont légiférés par le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral. C'est sûr qu'au niveau municipal, on est une créature, on demande d'avoir plus de liberté, d'être consulté. Hein? Consulter ne veut pas dire décider tout le temps. Alors, on aimerait peut-être, à l'occasion, tout à coup, la recommandation qu'on va faire au niveau de la loi 106, c'est d'être, parce que le gouvernement toujours, on sait qu'on est une créature, mais on attend toujours le discours qu'on va vous reconnaître comme un partenaire, l'autonomie des municipalités, mais toujours la création. Vous savez, quand on dépense, on fait un règlement d'emprunt, pourtant c'est les élus qui le votent, c'est payé par les contribuables, mais chaque règlement s'en va à Québec. La couverture des schémas de couverture de risque, on peut-tu décider ce qu'on veut dans notre cours, c'est imposé par le gouvernement. Alors, quand je vous dis, regardez tout ce qui se passe, on est une créature du gouvernement, et malgré tout ça, on demande d'être au moins consulté et de respecter notre municipal, qu'on est élu, on est équitable, vis-à-vis de vous autres. Mais souvent, je vous le dis, 80% des choses, si elle est réglementée dans une boîte, là, on est pris dans cette boîte-là. Vous savez que le gouvernement du Québec peut dépenser 100 millions de dollars sans vous demander la permission. Nous, là, on dépense 10 000 piastres, il faut demander l'autorisation. C'est incroyable. Alors, pourtant, on est élu comme ça. On est d'accord avec vous, c'est pour ça qu'on essaie de supporter les conseils municipaux partout en province, là, au point de gens, c'est au Québec. Mais juste, moi, c'est juste la disproportion. Tantôt, on a parlé du petit cochon de madame pendant plusieurs minutes. Oui. Mais là, quelque chose qui touche l'ensemble de la ville, l'ensemble des propriétaires de la ville, et qu'on traite ça. Non, mais allez voir, je vous dis, vous avez pas, vous avez accès à une petite entreprise qui allait à l'Assemblée nationale de voir ce que vous faites là. Alors, chaque chose qui vous dérange, vous venez voir, c'est correct. On va prendre. Mais on élit des gens au niveau provincial, fédéral. Ils sont très bien payés.
mieux que nous autres même. Ils ont des meilleures formations que nous autres. Et vous les interpellez jamais. Non, on les, alors, on les interpelle. Mais non, mais pas comme nous, monsieur le maire. Oh, oui, mais oui, mais comme, pas comme nous. Alors, vous avez accès nous facilement. Malheureusement, nous, on serait peut-être derrière pour tout ce qui se passe. Mais on n'est pas, il y a des gouvernements en haut, là. Ils sont élus, c'est vos représentants. Okay? Merci. Merci. Monsieur, on termine avec monsieur Harry.